Yo les gens, c'est Dire. Aujourd'hui on se retrouve pour mon premier editing contest spécial 1000 abonnés. Donc je vous ai préparé un petit contest pour l'occasion avec quelques trucs à faire. Donc dans la description vous avez toutes les règles et elles s'affichent aussi à l'écran. Donc vous avez à peu près un mois pour le faire. Donc la deadline c'est le 24 mars 2015. Vous devrez utiliser mon intro qui est dans la description. Votre edit devra faire plus de 20 secondes, c'est-à-dire vous faites un motion track, vous éditez 3 clips et normalement c'est bon. Vous pouvez utiliser n'importe quel clip de Call of Duty, ça passera. N'importe quelle musique, je me bats les couilles du copyright. N'importe quel style d'edit, parce que enfin on n'a pas tous les mêmes styles, donc moi ça me dérange pas de voir d'autres styles que les miens. Et quand vous posterez votre réponse, il faudra me l'envoyer par Skype. Comme ça, si j'ai des questions à vous poser, je pourrai vous les poser directement. Donc mon Skype est affiché dans la description. Et bien sûr, quand vous uploaderez votre réponse à mon editing contest, vous devrez mettre le lien de cette vidéo dans la description en disant que vous participez à mon contest. Enfin, c'est les règles habituelles de tous les contests, quoi. Et ça me dérange pas non plus que votre edit soit un entry pour d'autres contests. Donc, comment vous expliquer ? Pour les prix, moi, vu que je suis un éditeur gratuit, j'ai pas vraiment de sous à vous passer, donc c'est pour le fun, on va dire. Donc, si vous avez déjà un entry prévu pour un contest payant, vous mettez mon intro avec, comme ça, ça vous fera toujours gagner des places. Qu'est-ce que je veux dire ? Bon, la première place, je vous passerai pas mal de mes effets, enfin de mes overlays surtout, que j'ai pas sorti dans mes packs. Sûrement des color corrections pour After Effects, quelques-unes de mes préférées. Vous serez dans ma subbox et bien évidemment, vous aurez un maximum de pubs. Donc ça va vous rapporter, je pense, beaucoup d'abonnés, enfin, j'espère du moins, mais en tout cas, je parlerai beaucoup de vous. Pour la deuxième et la troisième place, ça sera quasiment la même chose. Vous aurez mes packs, mes CC et beaucoup de pubs. Ensuite, je mettrai aussi dans la description tous les éditeurs qui sont à la 4e jusqu'à la 10e place, histoire qu'on ait une petite liste d'éditeurs qu'ils méritent. Et il y aura aussi des honorables mentions, comme d'habitude. Donc, comment je vais évaluer vos édits ? Alors, en fait, je me suis prévu une liste provisoire. Ça va peut-être changer, ça dépend si y a vraiment... si j'arrive pas à me départager entre plusieurs edits. Donc j'ai prévu de faire un système de points à chaque fois que je verrai un edit. Donc, donc les motion tracks seront sur 5 points, donc, c'est-à-dire la qualité, l'originalité, tout ça. La color correction sur 5 points aussi, parce que bon, color correction c'est bien, mais je trouve que c'est pas ce qui fait un edit, donc je l'ai mis que sur 5 points. Ensuite, le flow, la synchro et le rythme de l'édit, tout ça c'est sur 10 points. Ça c'est très important de bien gérer ça, surtout c'est là-dessus que je vais regarder. Et quelque chose qui marquera beaucoup de points aussi, c'est l'originalité des effets et l'originalité de l'édit, c'est sur 10 points aussi. Et c'est ça qui vous démarquera des autres. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux à participer à mon editing contest. Les résultats seront dans un mois, donc je le rappelle, la deadline c'est le 24 mars. Donc vous pouvez m'envoyer, dernier délai, la journée du 24, et voilà. N'oubliez pas de m'envoyer ça sur Skype. Allez, bisous les gens, et je vous dis à la prochaine pour d'autres edits et tout le bazar.